Salut à tous, c'est Raveur pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de Cry of Fear en mode solo. Donc on avait déjà fait le mode coop avec Artfrag. Et bah là on va commencer le mode solo tout de suite. Donc là la caméra elle met des plans là depuis tout à l'heure sur des villes ou je sais pas quoi. Juste virer le Artfrag qui est là. Donc là je suis dans un train, je suppose que c'est moi. En mode Kyra. Si, si. Oh mon Dieu. Ça va être parti, je pense. Un petit chargement là. Non, toujours cinématique. Ah d'accord, parfait. Donc là, un vieux est en train de ramper. What's happened? Ah bah... Ok. Donc une voiture vient de me rentrer dans la gueule. C'est long les intros là. Là j'ai Daniel Hopkins qui vient de... qui vient de... Voilà. En plus j'entends pas trop le son. Oh là, il y a un mec qui se fait défoncer le crâne juste à côté de ma gueule. Wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Oh putain, oui, dis donc toi. Take the camera. Qu'est-ce que c'est? Un appareil photo. Ok, donc là je suppose que je dois prendre des photos. En plus c'est un... Ok. I hate you, il me déteste. Ok d'accord, donc là je me balade dans un endroit. Ok, donc il y a un corps par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une trappe vers le bas. Des fois je prends des photos, il n'y a rien. Là je suis dans un trou. Je tourne autour de moi, on le voit peut-être. Ah voilà. Ah c'est marrant comme... Une autre porte. Deux croix. Ah, un pendu. Très gai. Et là, rien du tout. Attends, je viens de rentrer par là? Ok. Est-ce que je peux passer par la fenêtre là? Théoriquement, oui. Hop. Je m'approche un peu. Ok. Ok. Oh là! Donc là c'est The Grudge. Attends quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Pas mal. C'est ça, tout se passe assez rapidement. Bon, c'est vrai que là je vous avoue que je suis pas trop dans l'ambiance parce qu'on a plein de... Oh putain de sa mère! Oh putain de sa mère! Oh le fils de pute! Bon, je suis pas trop dans l'ambiance mais je viens de me chier dessus. En plus j'allais dire ouais je vous avoue j'ai pas trop peur et tout. J'en pleure. Where I am? Où suis-je? Hop là. How did I get here? Et qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai plus de crédit. Ah bah j'ai pas le temps de lire la suite. Donc, toujours des intros un peu longues comme ça. Ah, j'ai un cut.
Comme je m'en sers avec ça, là ça sert à quoi? Ah carrément, ok. Donc en cliquant droit, je fais ça. Je peux sauter. Oh, j'ai pas confiance là. Ah, c'est bien, c'est vachement fluide, j'adore. C'est un peu. J'ai pas vu un mec au fond là. Ah, parce que j'étais en train de dire ce qu'il y avait marqué en haut. Il va me spawner sur la face, le mec. J'ai pas du tout envie de lire ce qu'il y a marqué en haut et il y a un truc qui apparaît toutes les 10 secondes donc. B. Si j'appuie sur B quoi? Fin de code. Non d'accord, je vais avoir. Parce qu'en fait, bien entendu, comme d'habitude, j'ai des petites indications de hardfrag. Et. Non d'accord, ok. C'est pas grave. Comment je fais? Exit? Non, je vais me barrer de là. D'accord. Voilà, en fait, le délire, c'est que je ne connais pas le code. Mais du coup, quand je connais pas le code, qu'est-ce que je fais? Comment je peux me barrer de là? Comment je peux me barrer de là? Je suis coincé sur le cadenas. Hard, viens-moi en aide. Je suis coincé sur le cadenas, je sais pas comment partir. Service de débugage Hard, bonjour. Ouais, pourquoi je suis... Comment on fait pour sortir du cadenas, là? Ça échappe. Bah, quand je fais échappe, ça me remet au menu du jeu. Entrée. Pareil, ça fait rien. Si tu bouges ton perso, non? Je peux pas le bouger. J'ai le gros cadenas, en fait, là. Y'a pas... Y a, merde. Et c'est E? Non. Ah, fuck. Je m'en rappelle plus. Allez, je peux parler, même ça me sert à rien de parler. Espace. Bah, en fait, j'appuie sur toutes les touches, ça fait rien. Clic droit. Clic droit, roulette, tournage de souris, plaquage de 3 quarts de mêlée. Bah, je fais une petite ellipse jusqu'à temps que je suis débugué. Hein. Voilà, donc en fait, j'ai trouvé le. C'est parce que vous voulez, je suis en mode fenestré. Et, pour pouvoir filmer avec Camtasia. Fenêtré. Bah, t'es sûr? Oui, fenestré, ça se dit pas. Bah, tu te défenestres. Non. Ça veut dire qu'à la base, t'es fenestré. Mais, ouais, enfin, ouais, si tu veux, enfin, bref. Ouais, ta gueule. Ouais, allez, bute-toi et me casse pas les couilles. Voilà. Donc là, je dois trouver des pages. Des pages d'un bouquin, il vient de me l'expliquer là. Des pages, en fait, qui vont m'indiquer un code pour ouvrir un PC. Non, pour ouvrir la boîte mail d'un PC, je sais pas quoi. Et donc du coup je dois chercher ça. Mais il y a des papiers partout par terre. Ça veut dire qu'en fait ils m'ont mis en face d'une... Mais non, c'est quoi ce délire? Je suis coincé dans cet endroit là. Oui je disais en fait je suis en mode fenestré et puis du coup il y avait un petit cancel qui avait en dessous et j'ai pas pu le voir. En mode fenestré. Voilà, tout ça. Ah je peux peut-être passer par là. Faut peut-être interagir avec... Avec le décor pour pouvoir trouver ça, donc je vais péter les poubelles, non. Est-ce que je peux ouvrir les portes? D'accord, donc là il dit qu'en fait, il peut pas ouvrir la porte et que c'est bizarre parce que la porte n'est pas fermée. Donc là c'est la porte avec le cadenas. Je vais avancer un peu. Ah, je peux ouvrir là, d'accord. Oh, j'ai peur là, avec le coup de flip de tout à l'heure là. Le coup de flip arrière là. Ok, nouveau couloir. Nouveau couloir, plein de portes. Donc là, je ne peux pas les ouvrir. Ah, j'aime pas trop quand les jeux s'éparpillent comme ça. Donc là, c'est fermé aussi. Là, je ne peux pas y aller parce que le truc est fermé. Est-ce que je peux sauter? Ah, peut-être en sautant avec... Attendez. Je vais essayer juste de faire ça. Hop. Ah, j'aurais pu, mais non. Bon, bref, c'est pas grave. Oh putain de sa mère! D'accord. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a juste une meuf qui a spawné devant moi. Ah, le petit coup de flip là qui fait.
Oh putain, j'aime pas du tout quand c'est comme ça là. Ça c'est typique des jeux d'horreur de devoir mettre des petits, enfin, si vous voulez, des coins partout comme ça, des angles pour nous surprendre dans l'angle. D'accord. Donc là, j'arrive toujours pas à voir les fameuses lettres dont m'a parlé Artfrag. En fait, le truc, c'est que là, ça sert à rien que je fasse ce que je fais, si vous voulez. En général, dans les angles comme ça, j'y vais en courant et en sautant. Comme ça, je me fais pas surprendre et au contraire, moi, je surprends. Mais là, ça sert à rien parce que tout simplement, il n'y a pas d'ennemi en face de moi qui joue. Ah, et du coca par terre. Je peux pas le prendre. Bah, en fait, ils m'ont carrément foutu dans une ville et je vais me démerder dans la ville, quoi. Oh, la ville est immense, comment je vais pouvoir faire pour trouver deux lettres là-dedans? Parce qu'en fait, Arfrag m'a dit, donc regarde pas sur internet et tout. Il m'a dit, t'inquiète, tu vas trouver les deux pages et puis après tu trouveras le PC, c'est facile. Bah ouais. Ah, une page, yes. Est-ce que je dois le noter ou pas? Je vais le noter quand même hier là. Rose. Ar. Red. Hop. Archived. Très bien, bah en fait il avait plutôt raison, hein. C'est en général quand j'ouvre ma gueule que je me fais contredire, vous avez remarqué là par exemple avec la petite fille. Ah bah la deuxième, voilà. Donc en fait c'est complètement facile. Voilà. Confused user. Ok. Et maintenant il me reste plus qu'à trouver le PC en question. Et apparemment dans le PC j'aurai la porte du cadenas, je sais pas quoi. Ah, j'ai pas essayé d'ouvrir toutes les portes du jeu quand même. Ah. Tac. Donc là j'arrive dans un vieux bâtiment qui m'inspire pas du tout confiance d'ailleurs. Ah et j'ai le PC, voilà. Username. Username, alors ça va être Confused User. Confused. Attends, non. Confused User. En dessous, ça va être Rose. Est-ce qu'il y a un S? Non. R. Red. Ok. Invalide. Invalide. Très bien. Donc en fait, les deux sont pas valides. Est-ce que je me suis craqué quand j'ai trouvé les lettres? Je vais essayer d'inverser. Rose. R. Red. Et Confused User. Bah c'est pas ça. Est-ce que c'est moi qui pète un câble? Comment ça se passe? Faire cancel, je vais aller voir si j'ai un note. Rose. Ah, il y a un S, je suis trop con. Je suis un bolos. Mbolos! Confused user. Je rêve pas là pourtant. On va regarder. Allez. Donc Confused user. Rose avec un S. R. Red. Ah c'est bon. Oh j'entends du bruit derrière moi. Je regarde plus l'écran, j'ai peur. Je vais noter ce qui se passe là. Jill 500. Non, non, pas du tout. Ok, tac. Après exclamation, David. Ah, je peux pas rien faire. Y'a pas moyen de poser une Keylogger pour au cas où. Donc là, je sens qu'il va m'arriver un truc de merde. Non, ça passe. Très bien, donc là, je vais retourner au point du début. Et par où je suis arrivé? Je suis pas arrivé par un point. Ouais, un truc comme ça là. Ouais, c'était là. Yes. Oh le. Je suis un dieu. Je suis dieu descendu du ciel pour aider les noobs. Je suis du joueur.
L'évolution, la performance, ma religion. Hop, je reviens là. J'espère que c'est quand même intéressant ce qu'il y a dans... ce qu'il y a dans la pièce avec le cadenas, parce que... Si j'ai fait tout ça pour voir... Imaginez à la fin, vous avez gagné un nounours. Il vous sera livré sous 3 jours. J'ai peur un peu quand ça se charge comme ça. Ok. Ok, c'est parti. Donc là, on a dit 5. 5, 4. 5. C'est parce que c'est assez simple et ça fout les boules en même temps, donc c'est vraiment cool. Oh, c'est déverrouillé. Unlocké. Allez, c'est parti. Voilà. Ok, je croyais que c'était un mec à la base. Bah, une tête et deux bras là, vous voyez. En fait, non. C'est un couloir. You can put 3 items, machin, machin. Ouais, bah c'est bien, mais écoute. Est-ce que. Ah, donc là, j'ai pas comme dans le mode coop. Une lumière. Oh, alors là, ça pue du cul, ça. C'est un truc de fou. La lumière qui bug comme ça. Il y a un truc qui va spawn devant ma gueule, je regarde même pas. Est-ce que je peux aller là? Ok, donc là j'atterris là. Je peux aller là. What the fuck? What the hell? Look to the right. Ok, regarde à droite. Ah non, ça pue du cul ça. Ah non, une porte. Ah d'accord, comme par hasard là c'est nous qui jouons. Ah ça. Qu'est-ce que c'est? Save game. Saving. Ah, c'est pour sauvegarder. Ah, super. C'est génial. Ça, par contre, c'est cool. Parce que, par exemple, dans le jeu que j'ai testé hier, Paranormal, on pouvait pas sauvegarder. Donc, du coup, on était obligé de recommencer. Mais on s'est aperçu avec Ramus hier que. Avec Artfrag hier que. Que du coup, le jeu changeait à chaque fois d'un Paranormal. Et... D'un Paranormal. Ah non, c'est un mec qui m'a regardé. Malos! Quoi, qu'est-ce que t'as? Bah, Ramus à la place de Artfrag. Bah, en même temps, parce que si vous voulez, Artfrag a décrété qu'il devait changer de pseudo alors qu'il s'appelait Ramus à la base, voilà. Depuis environ 10 piges. Donc, excuse-moi si j'ai un peu de mal. Bah, allez, ta gueule et joue là! Oh là! Tu veux me baiser lui? Tu veux qu'on se fight? Tu veux qu'on se fight? Où Ned? Où Ned? Où Ned? Ouled. Oh, allez. What the hell? Perso, moi, un zombie avec un couteau, je me barre. Hein. Ah oui, mais non, c'est un cul-de-sac. Ok. Damn it. Non, mais le mec, il y a deux endroits où il essaye d'appeler. C'est dans le sous-sol. Et dans le sous-sol aussi, là. Attends, est-ce que je reviens au premier endroit ou. Ah non, là je reviens au premier endroit, yes. Donc ça va être partir dans l'autre sens. Donc par là je ne peux pas, donc je vais rentrer par là-bas. Il faut que je m'enfonce dans la terre de plus en plus. Hop 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 hop, j'aime pas du tout ça. Non mais carrément, le mec il va dans les égouts. Donc là il y a un zombie en face de moi, je vais lui faire sa fête. Ah, il me stunt. Ouled, 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 allez, je te défonce, mon pote. Ah, j'ai failli le perfect. J'ai failli le perfect, mais. Ah, il y en a un autre là. Tu crois que je suis pas toi, mon pote, ou quoi? Bon, après, au bout d'un moment, quand c'est trois fois le même mec, on commence à s'habituer un peu. Je vais essayer de passer en. Merde. What the... Voilà, en mode comme ça là. Ah mais je suis con, est-ce que je peux ramasser leur marteau? Non. En fait je suis pas con. Par contre j'ai plus de vie là donc Ah bah je peux remonter en haut. Ah, j'ai
planté ou quoi? Ah, je peux sauvegarder là. Oh. Saving progress. Nickel, bah je sors. Allez. Là c'est quand même le moment où tu te dis putain, je suis content d'avoir pris un petit cut avant de sortir. Si j'avais su qu'en sortant j'allais trouver un mec en train de ramper, j'allais me faire écraser par une voiture, que j'allais devoir trouver des zombies et que j'allais avoir l'idée... Oh, j'allais me faire buter par un zombie. Bon bah voilà, on va arrêter le test ici, hein, on va pas en faire des masses. Donc c'est un jeu bien sympa. Moi je pense que je vais le continuer tout seul parce que je trouve qu'il est super sympa. Donc vous avez vu à peu près les premières étapes, mais le problème c'est que si je vous fais plus découvrir, vous aurez plus de surprises en jouant au jeu, et puis moi c'est pareil. Donc je vais vous laisser là, puis bah tu crois que t'as qu'à revenir. Mais voilà. Voilà. Et donc, cool, ouais, ce petit jeu. Ouais, t'as vu, ouais. Ouais, franchement il est pas mal. C'est sympa, ouais. Et j'ai hâte de voir ta gueule au moment où il y a le screamer au début là. Ah non, j'ai pas trop eu peur, je crois pas. Ouais, pourtant t'as bien gueulé, hein. Oui, j'ai gueulé. Mais en même temps, j'étais en train de dire, ouais, ça fait pas trop peur, machin. Easy, tu sais. Non, mais non. Heureusement que tu as pas joué dans le noir. Bah là, dans le noir, j'aurais gueulé un grand coup, là. C'est clair. Donc voilà, jeu bien sympa, les graphismes ils sont pas mal, le personnage il est bien déplacé. Même si au début je rageais parce que la ville était super grande et puis je décourageais un peu de trouver deux pages et un PC dans une grande ville, forcément. En fait, on le trouve assez rapidement. Et voilà, ça se fait pas mal. T'as quelque chose à rajouter? Non, je pense que t'as tout dit. Ok, bon bah je vous mettrai le lien dans la description. C'est un jeu Steam. Exact. Et on a déjà présenté le mode coop si vous voulez aller voir sur la chaîne. Donc je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce vers ça et toujours, et puis je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.